C'est le grand jour hein, pour Alain et moi, donc Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis et voisins de Dornac, comme l'a dit Madame le maire, je suis vraiment très heureuse d'être là ce jour. C'est un vrai plaisir, une satisfaction, je dirais même un bonheur de vous retrouver tous ici, dans ces nouveaux locaux, dans ce nouveau Lerchenberg qui, après plus de 2 ans de travaux intenses, a regagné toutes ses lettres de noblesse et toute sa place dans ce quartier de Dornac. Nous avons pour la plupart ici tant de souvenirs au Lerch, des fêtes de quartier, de la choucroute, des expositions, des activités en tout genre, des concerts, des séances de cinéma. Mais j'en ai entendu qu'il venait ici voir des films, nous n'avons pas connu ça, mais je sais qu'ici il y avait même des séquences de cinéma. Du théâtre, bien sûr, des soirées d'anniversaire mémorables, des meetings, des week-ends scouts. Chacun ici a sa petite madeleine. C'est une véritable institution. C'est un phare associatif et culturel et un poumon vert comme Louse. Et je suis, comme vous pouvez vous en douter, très heureuse de participer à cette nouvelle inauguration. Aujourd'hui, c'est avec ma casquette en fait de conseillère d'Alsace que je prends la parole. Le président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Viry, ayant été pris par d'autres obligations, il me prie de le représenter avec mon collègue Alain Cruchot et de vous adresser ses plus sincères félicitations pour tout le travail réalisé, pour la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de cet imposant chantier. Imposant au regard des transformations, imposant également au regard du montant mobilisé pour aboutir aux résultats que nous avons sous les yeux. Il est juste magnifique ce bâtiment. Il est vrai qu'il a fallu une grande motivation et beaucoup de courage de la part des protagonistes à ce projet, notamment des conseils de fabrique de l'église Saint-Barthélemy et de ses présidents successifs, Luc Arquel et François Rapp, ainsi que de l'association Le Lerch et de son président François Monner, totalement engagé dans cette entreprise d'une ampleur inédite depuis la destruction du bâtiment en 1913, ainsi que des nombreux bénévoles impliqués dans cette rénovation. Sans eux, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, le bénévolat, c'est tellement important. Depuis que nous sommes élus au conseil départemental, puis à la collectivité européenne d'Alsace, puisque nous avons changé de nom, avec Alain Cruchot, mon binôme du canton et premier adjoint à Mulhouse avec moi, nous n'avons eu cesse d'œuvrer depuis 2015 pour justement parvenir à ce résultat. Cela n'a pas toujours été simple, compte tenu de la technicité des aménagements et des moyens à mobiliser. Mais grâce à l'investissement considérable du service architecture de la ville de Mulhouse qui a assuré la maîtrise d'œuvre, merci cher Michel, le défi a été relevé et nous pouvons collectivement aujourd'hui être fiers. C'est réellement avec Alain l'inauguration de notre mandat et elle restera dans les annales. C'était vraiment dans notre engagement quand nous avons été élus en 2015, puis en 2021. Au total, ce sont en effet plus de 534 000 euros qui auront été alloués à ce projet au titre du Fonds d'attractivité des territoires, à quoi il faut encore rajouter toute une série d'aides complémentaires provenant du Fonds de solidarité pour environ 72 000 euros qui ont été destinés à faciliter l'installation dans les locaux avec l'achat de différents matériaux. Il s'agit là d'une parfaite traduction de notre volonté, celle de la CEA et de vos conseillers d'Alsace, d'être au plus près des attentes des habitants, des Mulhousiens et des Alsaciens. Le Lerchenberg est bien de retour. Cette métamorphose en un lieu d'accueil moderne, de partage, d'expression et de convivialité pour tous nous réjouit et nous invite à poursuivre nos efforts en ce sens. Il faut plus que jamais miser sur l'humain et la proximité. La collectivité européenne d'Alsace en a fait sa devise. Ce bâtiment, il est maintenant le vôtre. Faites-le vivre,
Donnez-lui de nouvelles perspectives. Faites-le résonner de vos voix, de vos rires, de vos souvenirs mémorables. Habitez-le, chacun à votre façon. Un grand merci à vous tous qui avez cru jusqu'au bout qu'il était réaliste de rêver en grand pour Dornach et le Lerchenberg. Merci de votre attention.